Entre Alicia et Bruno de Marié au premier regard, si est fini et l'ancien célibataire a déjà trouvé l'amour au bras d'une autre ancienne candidate du programme, Jennifer. Une situation quoi du mal à gérer son ex. Une page se tourne dans Marié au premier regard, mais peut-être un peu trop vite pour Alicia, ancienne candidate de la saison. Elle pensait avoir trouvé l'amour au bras de Bruno, mais après plus d'un an de relation, le couple décidait de se séparer. Leur voyage en commun à Bali, qui a eu lieu pendant leur break, n'a pas réussi à les rapprocher, voire pire. Si est sans surprise que la jeune femme annonçait que le couple avait entamé les démarches pour divorcer. Alors qu'Alicia a du mal à digérer cette rupture, Bruno a réussi à aller de l'avant au bras d'une autre femme bien connue des téléspectateurs, Jennifer, l'ancienne compagne d'Eddie dans Marié au premier regard. Après de nombreuses suspicions, le couple décidait d'officialiser leur relation. Un véritable manque de respect pour Alicia. Un manque de respect pour Alicia. Les rumeurs d'une idylle entre Bruno et Jennifer se sont multipliées lorsque la jeune femme s'est affichée sur les réseaux sociaux dans l'appartement du candidat, ce qui avait fortement agacé Alicia. Si est si difficile de se mettre à la place de l'autre et de se dire « je ne vais pas faire ça car je ne voudrais pas qu'elle me le fasse », vient de poster Alicia sur ses réseaux sociaux, reprenant une citation d'un compte Instagram. Quelques heures plus tôt, elle dénonçait le culot et le non-respect de ce nouveau couple. Perso, je ne me serais jamais permis, je suis beaucoup trop bien élevée pour cela, avait expliqué la jeune femme sur Instagram. Pour le moment, si est encore se près de ses proches qu'Alicia tente de se ressourcer. Cela nous est tombé dessus, nous n'avions rien prévu, affirme Jennifer Siesti lors d'une interview pour Télévision Mag que Jennifer décidait d'officialiser sa relation avec Bruno. Cela nous est tombé dessus, nous n'avions rien prévu. Nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait, nous assumons totalement notre relation, expliquait celle qui sortait tout juste d'une relation et qui ne s'attendait pas à un tel rapprochement avec Bruno. Je comprends que cela ne soit pas évident à vivre pour elle, qu'elle n'a pas fait le deuil de son mariage mais il n'y a aucun manque de respect de ma part. Alicia et Bruno se sont séparés mi-avril pour des raisons qui leur appartiennent, ils sont en instance de divorce et ils sont libres de refaire leur vie, a conclu celle qui ne compte pas s'empêcher de vivre à fond sa nouvelle idylle. She is.